Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Est-ce que moi, tu peux m'interpréter? Merci que tu te bénisses. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur s'il vous plaît? Avec le cri de joie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Je suis très content de revoir encore vos filles. Et de vous revoir en bonne santé. Amen. Dans la paix et dans la tranquillité. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Effectivement, vos prières ont joué un très grand rôle. Alors Dieu nous a utilisés. Et la grâce de Dieu était vraiment avec nous. Dieu a agi avec des signes. Dieu a agi avec des prodiges. Je vais vous faire un témoignage avant de continuer. Les guérisons, il y en avait. D'autres miracles, il y en avait. C'est ce qui m'a fort touché. Depuis que je pars au Ghana, je ne suis pas allé dans des coins comme ça. Donc je connaissais Accra d'une partie. Mais cette fois-là, on m'a amené dans des branches qui étaient très très éloignées de là où je suis. Je vais donner l'exemple comme si vous partez prêcher vers Maluku en allant vers le Bandundu. Alors un jour le soir nous sommes partis. Je suis parti avec les musiciens de l'apôtre Savanais, ce sont des musiciens qui m'ont accompagné. Les jeunes gens qui m'ont accompagné, ils sont allés faire la promotion de leur album. Je vais vous présenter aussi. Si vous pouvez les aider, c'est à 5 euros seulement. Normalement, le prix c'est environ de 4 euros, 3 euros, 94 euros. Mais je leur avais dit, si vous pouvez avoir 3 euros, 4 euros, j'ai dit, je vais prendre 10 pour que nous puissions vous bénir aussi. Ces jeunes gens m'ont accompagné. Alors nous sommes partis quelque part prêcher. Cette partie, on l'appelle Kasoa, si je ne me trompe pas. Donc, il fallait sortir, il y a le péage, il faut sortir le péage et aller encore plus loin. Nous arrivons là-bas, on a fait plus aux environs de 2h, 1h30 du désert. Avec les embouteillages. Alors on a commencé les cultes. Donc ce sont des points qui sont en train d'être habités, les personnes n'est pas totalement urbanisé comme ça se dit. Quand vous commencez les cultes, vous verrez les gens qui sortent, il y a un peu de brousse comme ça. Alors on a commencé les cultes. Et puis dans la louange, la louange, la carte à louange, il y a eu coupure de courant. Courant qui est eu. Alors il y a eu une forte pluie. Boula makasi, boula penza ya makasi. Et nous étions très loin. Et puis toi, là qui moi musika. Là où nous étions. Et puis quand toi zala qui. Puisque Bishop n'est pas là, il est à Londres. Pour Bishop, mais zala qui était à Zana Mboka. Et ensuite sa voiture est en panne. Donc on devait emprunter ce que nous appelons aussi les taxis bis. Il fallait plutôt zapper les taxis bis. Vous comprenez, vous quittez maintenant Kinshasa pour aller taxi bis pour aller vers Malou. Taxi et alors la
pluie, il y a une forte pluie. Or, ces enfants devaient rentrer le lendemain à 6 heures. Ils devaient prendre les bus comme les Flixbus ou Eurolines pour rentrer. Moi, non, les bus de Dixmila, le wifi dedans, la toilette climatisée. Alors, c'est moi qui les ai amenés là-bas, au lieu de les laisser à la maison, afin qu'ils partent demain très tôt. Je les ai amenés là-bas. C'était aux environs maintenant de 20 heures, je pense, 20 heures. Une forte pluie incroyable. Puisque l'église a été construite, il y a des portes métalliques, mais ils n'ont pas encore mis le véritable porte pour empêcher que le vent entre. L'église a encore besoin de tomber. Parce qu'il va tirer la porte métallique, mais là nous pensons va tirer le béton, pensant que qui est parce que ça moi nous fait bien boule la coco. Alors il y avait la forte pluie. Voyez les tôles de l'Afrique de boue. Au sommet pensant que bateau le boule en Afrique, peut-être sous le plafond exact, pensant boule la casse. La femme du pasteur, c'est elle qui conduisait le programme, le pasteur n'était pas là. Moi, si vous pensez à aller au camp, le programme, à propos du pasteur, ça l'a quitté. Alors, je vis en l'observant, les regardant, je vis comment elle était choquée. Elle était vraiment dans une situation d'angoisse. Chantons. Je leur ai dit non, arrête, ne sont pas chanter, prions. Alors il a pris encore, il a pris la parole pour qu'on puisse prier. Nous prions le Seigneur. Alors, que Dieu ait pitié de nous. Que Parce que quand il y a des pluies comme ça très souvent, les tôles s'envolent. Donc chaque fois qu'il y a des pluies comme ça, les tôles s'envolent. Alors les gens ont commencé à prier. Mais moi j'ai changé ma prière. Comment on va demander Dieu pardon, qu'il nous aide, qu'est-ce qu'on a fait de mal? Nous sommes venus ici nous réunir pour célébrer le Seigneur. Nous devons utiliser notre identité. Nous devons demander à la nature de nous écouter maintenant. Parce que nous sommes en train de servir Dieu. Amen. Je dis ceci avant que je déclare. Mais la Bible dit ceci. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria qu'il n'y ait point de pluie. Je dis ceci. La pluie, nous avons besoin de toi pour mais nous travaillons maintenant pour Dieu. C'est pourquoi je dis, comme le Seigneur a ordonné la tempête, je dis à toi la pluie. D'ailleurs, les tôles ne vont pas partir. Et ensuite, tu dois te taire. Et je travaille. Jusqu'à la fin du travail, et que tu reviennes faire ce que tu veux faire. Le Seigneur a fait grâce. Au même moment, je me suis levé. J'ai continué à parler. La pluie commence à baisser. Jusqu'à ce que la pluie s'est tue. Amen. Alléluia. Je leur ai dit, l'évangile de Jésus, c'est la démonstration de la puissance. Ce ne sont pas des fables. Ce sont des faits que vous avez vus. Et ensuite, nous avons continué les cultes. Et puis, tout c'était stupéfait. Dans un autre point encore, je ne parle pas de guérison, je parle d'autre chose. Alors, à Accra, il y a une tradition là-bas. Au mois de juin, je pense que je vous ai déjà dit ça. Jusqu'au 30 juin, pendant le 30 juin, on interdit de jouer la musique, de tout,
Donc fait des bruits. On va pas qu'il s'agit pas que va tout va bien, va bien ta musique ou bien bilan pour ouais maquiller les. Puisque le Dieu donne. Bon anini pour être zambé à l'ali. Le Dieu donne. Zambé à l'ali. Il faut lève laisser dormir. Il faut pas tika ya lala. Alors il faut pas faire des bruits. Il faut qu'on même ça pour ça la personne maquiller les théâtres. Chaque fois c'est une bombe. Comme ça. Même à chaque fois c'est une bombe. Il faut qu'un copain pour y ma besoin de ta maman comme ça il l'a instrumenté. Alors là où nous étions partis. Mais puisque on pensait au Kendeki. Maintenant ce genre de fatwa était là-bas. Mais ma cambongo pesa ou yakuti mais zala ki kuna. Je prêchais. Na teaki. Je commençais à prier maintenant pour les gens. Na bandeki pe ko sambe la pona ba. Il y a monsieur qui passait avec sa moto. Ezana mutu moko azai koleka na moto na. Voilà les rues qui ne sont pas trop bien urbanisées. Il y a quand même des rues. Il y a un peu de bouche qui vient aussi. Moi zamba muke matite zali. Le monsieur passait. Mais mutu moko pesa taki koleka. Il a entendu directement ma prière. Mais alors qui pensait na poisson qui pensait le sang. Il s'est arrêté à la parcelle. A telemi na kaka la parcelle n'était pas clôturée. Mais pour passer la route pesa taki na moto. Mais là où on priait, il y a quand même une maison qui était battue avec des tôles. Mais puisque tu sais que ça il s'arrête. Le pasteur était touché. Le pasteur est sorti pour les rencontrer. Pasteur a dit non, mais bonjour, monsieur Donji. Qu'est-ce qu'il y a? Il a dit non, je suis de passage. Et puis, mais il y a monsieur, votre monsieur là qui prie en français. Moi, je ne comprends pas le français. Mais sa prière m'a touché. Mais pourquoi je me suis arrêté ici? Écoutez sa prière jusqu'à la fin. D'ailleurs, je vous rassure. Je passe toujours ici. Sans pour autant venir à l'église. Mais ce dimanche, je viendrai à l'église. Alléluia. Je ne savais pas que la prière pouvait toucher quelqu'un qui était avec le passé à Gagarin. Avec sa moto. Ce n'est pas un passé comme ça, avec sa moto. Il a été arrêté à cause de la prière. Alléluia. Amen. Je vais te dire ceci. Que tu as une portion en toi qui peut bouleverser beaucoup de choses. J'ai prêché à Abidjan. Je pense que le junior peut se souvenir. Je l'ai expliqué. C'est comme le modérateur a dit. Nous avons passé six mois. Certains d'entre vous ont perdu certaines histoires. Nous devons développer une autre manière de faire. Nous devons agir maintenant avec l'esprit de remontada. Il faut parce que toi agir na molimo ou ya remontada, ya komata. Est-ce que vous comprenez la remontada? Est-ce que vous avez compris la remontada? Je vais vous donner l'exemple concret. Ceux qui ont suivi les matchs entre Paris Saint-Germain et Barcelone auront idée. Paris Saint-Germain avait battu Barcelone à Paris 3-0. Et tout le monde croyait que Barcelone sera éliminé. Qu'est-ce que Barcelone avait fait? Barcelone est allé louer quelqu'un, un coach de mental. Qui travaille le mental. Il les a travaillés de telle façon qu'ils ont eu maintenant l'esprit de remontada. Remonter jusqu'à gagner ce que tu as perdu. Vous changez directement la situation négative en positive. Vous êtes dans une situation négative. Vous ne fuyez pas, mais dans cette situation négative, vous remontez et vous changez la situation négative en positive et vous gagnez. Et c'est comme cela, le même
une chose. J'avais suivi une interview. Vous savez, le garçon qui a marqué le but de la victoire du Portugal. C'était un garçon, son père était en prison. Soi-disant que son père avait tué une femme. Et lui-même, pour qu'il soit récupéré dans l'équipe nationale, il est rentré dans le match. Cristiano Ronaldo était sorti. Cristiano Ronaldo a bimaka déjà. Mais dans son mental, comme il avait un mental fort, il s'est imposé. A s'imposé et il a marqué le but de la victoire. Alléluia. Amen. J'ai prêché cela. Je leur avais dit ceci. Le grand champion. Les hommes forts sur la terre, ce sont les hommes qui ont des mentales forts. Quelle que soit la situation qui peut lui arriver, il est capable de rebondir, de faire des remontades. Afin qu'il gagne encore. Si les joueurs de football ont des coachs, des entraîneurs comme ça, et cela donne aussi des fruits. Mais maintenant, notre Seigneur Jésus, c'est lui qui est le coach des coachs. C'est lui qui peut marcher sur les eaux. C'est celui qui peut obliger au vent, aux tempêtes de s'arrêter. Qui peut donner la vie aux morts qui existent à travers les jours. C'est lui ton coach. Qui te dit ne crains point. Il est avec toi. Alléluia. Votre mental soit fort. Ne baissez pas les bras, n'abandonnez pas, non, qui battent. Les Allemands disent nicht abgeben. Abgeben. Ne cédez pas. Don't give up. Amen. Amen. Non, ne cédez pas, quelle que soit la situation qui se présente devant vous. Dis-moi, je suis un enfant de Dieu. Amen. Christ est en moi. C'est l'espérance de la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Ah non, vous savez, les gars, ils sont comme ça. Comment les envoûter peuvent prendre l'autorité sur toi? Alléluia. Amen. Je fais que les 6 mois qui sont là. Je l'ai écrit aussi sur Facebook. Vous agissez dans l'esprit de remontada. Vous changez de situation. Alléluia. Enfin, que la fin de l'année, chacun de nous puisse rendre témoignage de la gloire. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. C'était une exhortation pour les 6 premiers mois qui sont passés. Et les 6 derniers mois qui nous sont restés. Nous avons la possibilité de récupérer, de remonter et de vaincre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'enseignement d'aujourd'hui, mais normalement, je venais de donner